Véronique Lemaître, vous êtes convertie dans le transport routier. Vous avez repris Paimpol Transport en mars 2011. Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre métier? Alors, mon métier aujourd'hui, c'est d'organiser le travail de mes chauffeurs, donc de charger mes camions un maximum, et puis donc de les envoyer en livraison. Alors on charge en Bretagne. Alors on peut aussi bien charger sur notre région, sur Paimpol, un peu sur le Finistère et aussi un petit peu sur le centre Bretagne. Et du coup, on s'en va au moins 3 véhicules par semaine sur l'est de la France et puis les autres en régional. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Ce qui me plaît le plus, c'est le contact que j'ai entre mes clients, entre mes chauffeurs et les livraisons qu'on a à faire derrière. En fait, c'est le mélange de tout ça, d'arriver à organiser les départs, les livraisons et puis les retours derrière. C'est un triangle. On charge pour un client, on livre et puis on recharge derrière. Donc ça, c'est ça qui est vivant en fin de compte. Et puis c'est ça le moteur aussi. Le camion pour moi c'est l'outil de travail et puis il est censé rouler. Alors quand ça s'arrête parce qu'il y a une panne, ça me fout en boule, oui. Ça c'est le quotidien en fait. En fait, c'est rare qu'une journée se passe normalement ou tranquillement. Oui, c'est rare. Étant jeune, c'est le secteur que je voulais rejoindre, le secteur d'activité que je voulais rejoindre. Je n'ai pas pu, donc j'y suis venue un petit peu plus tard, quoi. C'est tout. C'est ma première expérience en tant que patronne. J'ai eu à gérer, à travailler et puis donc à organiser le travail pour deux personnes avec moi. Mais bon, c'est la première fois où je dois faire les salaires à la fin du mois, quoi. Voilà. Vous êtes associée à part égale? Oui. Et vous devez vous entendre pour décider? Oui, obligatoirement, puisque c'est 50-50. L'un ne peut pas prendre une décision à la place de l'autre. Ouais. Donc, ou sans l'autre, on va dire ça comme ça.